J'ai envie de faire mon latin, genre. Le boss est là, il fallait comprendre qu'il y avait un truc ici. Ok. Ah, je m'en fais plus. Arrêtez un, ça m'énerve. Oh genre je l'ai pas. J'en ai raté plein. Un boss trop lourd. Je vais quand même sauvegarder. Je me permets, hein, parce que sinon c'est, j'ai pas envie de me taper des 2 heures de boss. Le gant est trop mal foutu. Se fout de ma gueule ce boss. Hein. En parlant. Il y a le tir ou il tire pas. Oh, elle me le donne en plus, ce boss. Oh, sérieux? Une pop de merde. Diagonale. J'en ai eu aucun, hop on l'a refait. Vraiment la fin de... Putain, mais sérieux! T'as pas croire que celui-là est beaucoup plus dur que le Nora Clopay. Mais merde, 2 secondes de merde! Rendez-moi mon grappin, je vous en supplie! Arrête de faire de la merde, Rick, sur ce boss. Ça s'est tapé de sauvegarde rapide au premier combat. Putain, mais quel bâtard ce boss! Je sais plus où j'en suis maintenant. Allez, s'il te plaît, Ori, arrête d'être con. Faut dire, avec un gant pareil, c'est.
Je vais le faire étape par étape, j'ai pas le choix. Je suis vraiment désolé, mais j'en peux vraiment plus. C'est vraiment des boss à la con. Des boss qui devraient pas exister. J'ai eu beaucoup moins de mal sur Oracle of Age. C'est sûr que Oracle of Season est un peu plus dur. Il y a eu quelques boss qui m'ont posé problème, mais sans plus. C'est le dernier. Oh là là. Par contre, le dernier va me saouler. Ah, c'est hors de question que je refasse cette phase. Et hors de question que je refasse cette phase. C'est bon. Il m'a vraiment saoulé. Ça va coûter ça a coûté encore ma popo, heureusement. Mais j'en avais marre, ce donjon. Ça fait deux donjons d'affilée où j'en ai plein le cul. Tenez la chaleur nutritive, une essence de la nature. Les pousses deviennent de beaux arbres avec la chaleur nutritive. À 3 heures de donjon, un record. Enfin, plus de 3 heures parce que... J'ai enlevé au moins la demi-heure de... La chaleur nourrissante... m'a redonné des forces. J'ai vu en rêve, au lit, dans les vastes ruines, il y a peut-être une essence là-bas. Désespoir. Ouais, j'en ai marre. La flamme, tu vois, tout les trois flammes qui s'allument, tu sais, tellement ça m'a énervé. La colère d'Ori. Ton combat est futile. Décrépitude, ravage et massacre vont s'abattre sur le royaume de Holodrum. Détruisons la terre. Oh oh oh, le pays se consume dans les flammes de la destruction. Oui, il est devenu un destructeur. Les flammes de la destruction sont allumées. Il ne reste que désolation et chaos. Le sacrifice m'a rappelé le roi maléfique qui va allumer les trois flammes infernales.
c'est le résultat. On va... Donc c'est encore drôle parce que je sais absolument pas où je dois aller. Je me permets de faire ça. Bien, il me demande des vieilles ruines, mais bon... il est gentil, hein, le monsieur. On s'en fout. Donc, il nous avait dit. Les ruines. Ah, je sais. Quand même moins prise de tête. On est qu'à 5 essences, il a que ça. On va voir quand il sera à fond. Après, t'es très gentil de me donner tes graines à la con, mais j'en veux pas. Ça peut me donner l'anneau qui me manque. L'anneau que je prie d'avoir depuis Oracle of Age, mais que je n'ai pas eu. Je crois bien que j'aurais fait le code de combat. C'est pas le temple en ruine, ouais, d'accord. Bon, je sais pas trop, apparemment faut que j'aille trouver des ruines, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui. Ce sera à nouveau un calvaire. Mais je préfère ça que de faire un donjon tomber sur des trucs vraiment chiants et pénibles. Oh là là, un boss, un mob spécial grand, j'espère qu'il y en aura plus. On arrive quand même à plus ça va, plus les objets sont nuls à chier, ils sont mal foutus. Bon, je sais que je préfère Oracle of Age parce que c'est plus basé sur les énigmes que sur les combats. Faut quand même avouer que les boss sont très rotors. Dans Oracle of Age, il y a à peu près 2-3 boss grand maximum qui peuvent être assez pénibles. Mais bon, après, je m'y attendais à ces boss-là. Hein. C'est ça la grande différence. Faut pas que j'oublie que je me rappelle pas avoir autant galéré quand même. Si, quand même, il y avait. Je vais quand même faire la comparaison parce que, comme j'ai que 13 minutes, je vais faire un peu plus. Dans Rack of Edge, les boss qui m'ont posé le plus de problèmes, c'est déjà le deuxième boss du deuxième donjon. À cause du fait qu'il faut envoyer les bombes au bon moment, ça j'en avais parlé. Le premier boss du deuxième donjon. Ça allait même s'il fallait pas tomber dans le trou, à la différence de celui qu'on a eu dans Rock of Season. L'ombre, celui-là il m'a posé problème parce que c'était compliqué de comprendre que par rapport au lance-patate là, de merde, parce que c'est de la merde, les graines rebondissent, ça c'est bien. Et tu peux viser, alors que ça tu peux pas viser, tu peux même viser en diagonale. Ensuite on a. Quatrième donjon, non. Le boss en plusieurs parties. Le truc avec le bouclier, ça allait. L'allié de Vérane qui court dans tous les sens, c'était un peu chiant, mais sans plus. Dans le ventre de Jabu, je crois que les deux boss, ça allait. Même si j'ai peut-être été mort une fois, de mémoire. La mort. Le premier boss du huitième donjon. Le deuxième boss du huitième donjon, mais il faut comprendre hein, une subtilité avant que ça passe. Celui-là, et c'est normal, ça, c'est le gros boss final, c'est pas un boss comme on était. Et Vérane à la fin qui est en trois phases et il faut toute ta vie. Mais j'avais un anneau ultra cheaté qui m'a sauvé la vie et là je n'arrive pas à l'avoir et ça commence vraiment à m'énerver. J'aimerais bien l'avoir. Hein. Bon bah on va voir ce que ça a donné, Dermin, bah oui Dermin. C'est-à-dire, il me dit plus du tout où c'est, hein, c'est... Rock of Edge, c'était un peu plus guidé.
Là, pareil, hein, pour l'exploration. Bah, le seul truc que j'ai à visiter, c'est là-haut. Que je devais pas à la base, mais au final, j'ai. Faut passer par. Ouais, on va passer par le niveau, tout ça. On essayera de trouver si c'est ça. Si c'est pas le cas, ben. Je vais pas faire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve du coup mercredi pour la suite encore. Mais non, j'ai encore plus rasé. Mais bon, ça va. Au moins, je sais où est la suite cette fois. Y a pas de soucis. Mario Land 3. Peut-être le dernier, normalement. Si tout va bien. Ensuite, on se retrouve... On se retrouve vendredi pour Genshin Impact Aventure Compagnon avec l'event à faire avec des mechas de partout. D'ailleurs, il y a pas mal de points à récupérer pour les passes. On se retrouve samedi pour je ne sais pas quoi, surprise du chef, on verra samedi. Je préfère mieux plus le dire parce qu'à chaque fois que je le dis, bah, il arrive un problème, donc ce sera au choix, on va voir. Et on se retrouve lundi prochain pour, bah, après le calvaire d'un donjon avec... une énigme facile et pourtant j'avais la flemme de faire le tour, mais c'est bien fait pour ma gueule. Trois boss de merde. Bon, le premier boss ça allait quand même. Enfin, j'avais la potion. Après le boss avec les pics il est sympa, mais non, allez, franchement, je vais l'avouer maintenant, le deuxième boss, à part le fait que plus les phases avancent plus le combat dure une heure parce que le boss il va dans tous les sens, c'est compliqué. Après, ben, les petits, heureusement, si tu arrives à le tuer, ça va, mais si tu arrives pas à le tuer, il revient et tu dois te retaper la phase. Et le petit, il avait encore toute sa vie, une fois que ça tombe. C'est le seul point négatif, sinon, bon, ça allait. Franchement, si c'était à refaire, je pourrais le refaire quand même un peu plus facilement que l'or. C'est juste que j'en ai eu plein de cul. Et c'est tout. Et sinon, quand même, prenons-le de bon côté. J'avais pas besoin de chercher quelque chose en dehors du donjon pour finir. Donc ça au moins c'est respecté. Une fois que tu rentres dans le donjon, tu sais que t'as déjà les éléments et juste l'objet du donjon à récupérer. Et tu sais que tu peux finir le donjon. Donc voilà. Donc ça, bravo là-dessus. Je continue d'y croire. J'espère juste que ça va jusqu'au bout. Il reste 3 donjons. Mine de rien, on avance quand même. Voilà, donc pour la suite lundi prochain, à trouver les ruines. On va voir où c'est. Sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus. Ciao ces gens.